Je salue la presse écrite télévisée ce matin pour cette conférence de presse. La presse en ligne également. Vous allez bien, cher ami? En forme. Justement, la conférence de presse là, nous fait le matin, c'est pour nous dénoncer et cette histoire de fantôme 509. Et c'est des groupes monde qui là-dedans qui fait tête passer pour policiers. En réalité, par contre, qui est sur eux. Il y a un cas de violence, il a fait violence. Et nous remarquons là, avant, ça a gagné presque 2 mois depuis qu'il a écrasé le ministère. Il a écrasé la finance, il a attaqué la planification. Il a été attaqué, même direction générale de la police, pas payé. Inspection générale, ça a gagné tantôt 3 semaines, il a refait encore. Il a attaqué ONI, il a été attaqué ONA, et puis ministère de l'économie et des finances. Donc nous trouvons son bail extrêmement grave. Des gens qui, soi-disant, ont fait des actions terroristes, et qui fait être passé comme policier, alors que nous tous connaissons la police sont ici sur l'aube. Un policier est celui qui est à la disposition des citoyens en l'honneur et à la dignité. C'est ça le devoir de la PNH, servir et protéger. La police, dans tout pays sur la terre, sont institutions qui anti-vagabondage. La police là pour l'éteindre du feu, la police pas là pour la mettre du feu. Monsieur Prelétête, fantôme 509, et c'est croiser machine dans la rue, c'est mettre du feu, c'est tirer dans tout sens. Et grand syndicat créé SPNH, il a profité de eux. Il faut faire une démarcation claire, sans équivoque, si on ne peut pas supporter l'action terroriste. Vendredi dernier, nous rencontrons avec eux. Nous faisons une bonne rencontre. Nous discutons exactement sur ça, on va parler là. Et je crois que le moment arrivé, et le moment, n'a pas lié à ce moment plus que jamais, pour faire une démarcation claire, sans équivoque, sans ambiguïté, contre l'authenticité qui fait tête passer comme policier jusqu'à présent, c'est des actions de vagabondage et de terroristes que monsieur a fait. Parce que sous prétendu ces policiers, on n'a pas qu'à craser briser. Comme on comprend des policiers, soi-disant, tous les guillemets, ils disent ça, oui, ils ont réclamé pour y avoir X ou Y, et puis même économie des finances, monsieur a crasé. Et qui est-ce qui doit préparer chèque pour eux? C'est combien de finances. Donc, c'est un non-sens. C'est des bagailles que le monde ne peut pas comprendre. Alors, nous commençons ce travail. Nous avons un dossier en pile là de qui a fait des autres là. Nous ne pouvons pas faire la pression, mais nous là. Nous ne pouvons pas faire la pression. Enquête là pour la poursuivre. Et des pays amis, nous avons un nouveau élevage tout. Nous avons fini avec l'enquête là. Enquête là. Puis, nous pas quitter le monde ça. Mettez pied dans le pays côté oui. Et parce que je crois que tout pays a combattu les terroristes et l'action qu'a fait là pas gagner pour avec la police. Et tout le monde connaît le pays connaît et qui sentiment qui est affectivité que nous avons pour la police nationale. Parce que c'est le monde qui croit dans l'ordre, dans la discipline, nous croit dans la force publique, c'est-à-dire l'armée, les forces armées d'Haïti FADH et la police nationale d'Haïti. Donc je crois que tout le monde quand il désordre. Je crois que tout le monde qui est anti-vagabondage n'est pas capable de la police, pas capable de l'armée. Donc, c'est un Nadal qui est élevé, grandit dans l'ordre et dans la discipline, qui pas grandit dans la délinquance. Donc, la police anti-désordre, n'est pas là pour désordre. Et ça qu'a fait la bagarre pour la police, et c'est action terroriste. Et nous instruisons la police là, et la justice pour traquer M. Sayo. Et qui a annoncé, qui a fait buzz sur les réseaux sociaux, qui ont mal fait violence. Et n'a pas vu Pinga, halte là. Donc,
nous pas capable ça la meilleure encore. Donc la police gagne instruction formelle et la justice pour traquer monsieur ça comme de bête sauvage parce que action terroriste ça ne pas prendre encore. Nous qui là comme ministre justice sécurité publique qui représente l'État, donc maintenant pas de monsieur ça le fait battre. Et si on a une revendication quelconque et comme on a un syndicat qui est le SPNH, il a fait le passer par le biais du SPNH là. Donc il n'y a pas qu'à prétendre pour vandaliser tout le bagage dans le pays, pour craser, pour attaquer les citoyens sous prétexte que c'est policier. Oui. Donc ça ne va pas prendre la main encore. Et je crois que toute la police attendait et pour y faire monsieur ça fait mal, ce n'est pas possible, ne pas accepter de continuer à prendre ça la main encore. Donc, et à bon entendeur, salut. Et qu'on sait être complaisance, et ça fait on fait appel avec la police. Et pour qu'on connaît que la revendication que vous avez, hein, les justes, là, on a parlé de la police nationale d'Haïti, moi, je suis d'accord avec plus que 200%. Donc, on insiste sur le travail, comme la police, au travail de Dieu, la peur, il a fait, et qui n'a pas même le minimum pour le travail. Ça ne m'entend pas minimum, question de bottes, question de souliers, d'endroits pour dormir, côté pour faire besoin, c'est des minimums. Et question de cartouches, de armes. Ça, c'est une revendication qui est juste, qui est claire, et pas qu'aucun citoyen n'a voulu avoir ça. Mais cette histoire de 609, ça, sont l'autre bagaille liée. Et on a profité du policier, frère, dans l'histoire comme ça qui est passé dans le pays. Hein. Et malheureusement, les forces armées d'Haïti étaient démobilisées, c'est parce que il y a des politiciens qui ont été utilisés à des fins malhonnêtes et personnelles, et qui pourraient le mettre de côté là, que nous venons d'un pays comme l'Ambo. Côté, nous avons dit la structure de la sécurité publique d'Haïti est sauté. Et l'État a été effondré à partir de 1994, à partir de disparition des forces armées d'Haïti. Donc, nous avons souhaité tirer les leçons du passé, pour ne pas quitter de monde qui a venu pour mettre du fromage, la lune, le ciel. En réalité, c'est utilisable, utilisé à des fins malhonnêtes et personnelles. Nous avons souhaité prendre acte de ça. Allant l'histoire comme ça qui est passé, les messieurs ont manipulé et des petits soldats de la garde présidentielle soulevés contre les officiers supérieurs des commandants de département, colonel, capitaine, et major, et voué grand général avec chemise sous coyo. Et on s'est après nous balouer comment le pays a souffert de ça et jusqu'à présent a souffert de ça. Et nous commençons à identifier les documents là, donc nous ne pouvons pas où nous sommes là. Nous parlons de Bayo, mais nous avons tout là. Combien il y a environ? Ah, donc il nous avons Bayo, donc au moment opportun. Et j'ai 7 là d'ailleurs, bon, c'est des gens qui évoquent qui ont renvoyé de la PNH. J'ai 7 qui là d'ailleurs qui a manipulé. Et donc, si on ne pas stopper, et au moment opportun, nous avons mettre tout dossier ça au pays à nous, d'Haïti. Et qui des gens qui ont fait d'action terroriste, puis ils n'ont pas mis de pied. Et nous avons publié des photos de toi, tout le monde, dans des jours à venir. Et nous avons là, les documents tout là. Nous n'avons pas de dit, après 72 heures qu'il nous débat là, et automatiquement, il finit la PTF2. Parce que nous avons jamais dit. Et des gens qui font amalgame, et ils n'ont pas bien compris, ils ont amalgamé, fait que l'autre qui pas bien compris. Nous dit que nous devons une deuxième note, nous dit nous espérons pas qu'il y ait un bon moment encore. Et après 72 heures, l'étape était venue. Ça veut dire, baba, qui joue, qui date. Nous ne sommes pas capables de faire opération pour nous dire que nous mettons le jour de côté, nous ne sommes pas imbéciles. Mais bandits, attendez, nous seulement qui adressé avec deux bons mondes, nous croyons que ce n'est pas parce que nous sommes dans la ville, nous dit que c'est criminel, nous dit que c'est méchant, c'est pour ça. Ce n'est pas ça le dit. Non, tu as une possibilité pour les gens qui ont été retirés dans l'espace là. Pour l'État qui a agi contre les gangs, contre les terroristes en bas. Et c'est terroriste. Maintenant, nous avons un délai, nous avons un délai. L'homme dit délai, il dit que 72 heures de débat là. Épuisé, l'État, un délai, l'État a débarqué à n'importe quel moment. Même Jean-Jésus-Christ dit dans la Bible, le venu, il a venu comme un voleur. Dans la nuit, pas de monde qui veut la vie. Voilà. Pour mon état d'abord. C'est SPNH qui m'a allié, m'a rencontré. C'est des gens qui ont fait des revendications. Naturellement, au commencement, ils ont commencé dans la violence.
me complimenter après ça, je vais essayer de la question de violence encore. Je rencontre parce que l'État reconnaît le syndicat. Maintenant, mon service à vie découvert, je connais qui commissariat est gradio et c'est des gens qui viennent clairement identifiés. 609 là, pour moi-même, c'est un groupe terroriste et qui décide d'attaquer fondement l'État pour éliminer des tout pays. Or, nous connaissons tout pays par jouer avec terroristes. Et moun sa yo, c'est action terroriste à faire. Personne ne connaît même pas le journaliste. Donc, vous avez une question posée. D'ailleurs, vous avez un qui t'avait bien informé qui est sexuel, c'est à vous-même. Bon, vous ne pouvez pas même vous allier. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est des gens qui sont là pour nuire la société. C'est des gens qui sont là pour craser le pays. Et c'est des gens qui sont là pour manipuler par des gens et des détracteurs, des bandits, des criminels, et pour satisfaire propres besoins personnels au détriment du pays. Ben, imaginons des gens qui soient déjà fait des revendications passées, et puis c'est du fait à péter. Est-ce qu'on comprend ça? C'est la première fois qu'Haïti a vu une situation comme ça. Des gens soi-disant qui fait tête passer comme policier, si c'est policier, oui, pour qu'ils soient fait la cachette pour ça, et visage va découvert, pour qu'ils soient visage fantôme. Ça veut dire fantôme. C'est des esprits, c'est des gens qui mourent déjà. Eh bien, laissez les morts, c'est venir les morts. Donc, si c'est mort, de quoi le défendre mort? Mort pas qu'à défendre vivant. Donc, vous comprenez que l'ordre du fantôme, c'est un esprit diabolique, un esprit satanique, un esprit démoniaque, un esprit de vagabondage. Donc, vous ne comprenez que des gens qui voulaient faire une revendication passée, soi-disant, qui ne comprennent pas quelle revendication, et c'est violence à faire. Donc, ça veut dire que si ces policiers sont vrais, ils me disent, nous insistons sur ça, SPNH là, il faut des vacations claires, puis ils disent que par la violence, il faut qu'ils disent ça. Ce n'est pas un cachet qu'ils disent ça, non, il faut qu'ils disent ça. Et pour tout le monde qu'on est, les gens, c'est des gens qui ont fait des actions terroristes, SPNH par la donne. Et je souhaite, dès maintenant, pour SPNH prendre des positions claires, sans équivoque, pour nous donner des positions, pour nous connaître, est-ce que. Il a supporté bagay ça en bas ou bien il a parlé en question de violence que M. Soti pour détruire la police là, même Jean, il a détruit les forces armées d'Haïti. Donc, pas d'assurer pour la police là, passer dans la même situation, parce que c'est route ça, M. décide de faire avec la police là. Nous dit non, nous pas qu'à quitter toute force publique dans le pays écrasé, sinon qui s'en abrite. Parce que c'est bandit. C'est vagabond, c'est criminel, c'est délinquant. Kabine dit je paye, non, me dit non, ne pas accepter. Bon, et ça, c'est le même cas du souli. Si effectivement, le droit de BLDS est arrêté, je crois que la police a le droit d'interpeller n'importe qui membre, son bail qui est normal lié. Si on est dans une institution, tu as une information de où, je crois que c'est à mon droit que l'inspection générale de la police nationale d'Haïti. Capable de convoquer pour le temps de vous. Donc, là, vous convoquez pour le temps de vous, ça ne parle pas de coupable pour ça. Donc, vous avez 4 ans, si vous avez une information de vous. Une fois l'information est fausse, la police compte qui j'en pour décider. Et s'il faut être compte qui j'en pour décider. Donc, c'est tout simplement le cadeau. C'est ça seulement le cadeau. Nous venons accueillir deuxième vol là qui portait matériel encore. Mais ça, deuxième vol, ça a porté
l'hypothèse 75 500 combinaisons pour personnel médical, personnel infirmier, personnel ambulance, etc. C'est pour son sorte de salopette, c'est pour ça que les combinaisons, son sorte de salopette que mon nom était pour le capable de protéger tête li, le aller sur un malade qui gagne coronavirus. Donc, aujourd'hui, nous recevons 75 500 salopettes que nous relais équipements de protection individuelle. Ensuite, nous recevons 25 000 surblouses. C'est peut-être que nous connaissons tout le monde, il y a un qui bleu, il y a un qui jaune, il y a deux personnes qui mettent, ça dépend de quel niveau qu'on prend en contact avec les gens qui ont le coronavirus. Et bien, aujourd'hui, nous recevons 25 000 surblouses. Nous recevons tout 500 cabanes encore. Nous te recevons jeudi dernier 500 cabanes. Jeudi, nous recevons 500 cabanes et nous recevons 150 000 masques N95 qui a accompagné salopette là parce que N95 là sont masques spéciales qui à l'usage du personnel et de santé en général. Donc jeudi, nous recevons, m'a répété la nouveau, 75 500 combinaisons ou salopettes, 25 000 surblouses, 500 lits, 150 000 masques N95, comme répété, qui à l'usage exclusif du personnel médical. M'a profité avant de finir ou bien avant de passer déjà la parole, qui peut-être qu'a gagné deux, trois autres mots pour dire, m'a profité de rappeler que nous passons à 182 cas. 30 avril, nous avons gagné 85 cas et aujourd'hui, nous avons gagné 182 cas qui sont grande augmentation. Pas besoin. Nous pas besoin de statisticiens ni épidémiologistes pour nous comprendre que en moins de 10 jours, nous avons gagné augmentation de 100 cas, nous passons à 182 cas. Et m'a rappelé population pour continuer suivre mesures d'hygiène que le ministère a bail. Laver mains tout le temps, ça est important. Laver mains tout le temps. Éviter de mettre mains dans le jet, dans le nez, dans la bouche. Rete la caille si vous n'avez pas urgence. Et si vous avez urgence, pas oublier ça nous relève la distanciation sociale. Là. Ça veut dire, rete trois par distance à moun qui boit koto là. Et surtout, si nous avons sorti, mettez cache-nez nous. Nous connaissons à partir de aujourd'hui, cache-nez, le port du cache-nez est obligatoire. Et le gouvernement a fait un pile effort pour être capable de bailler toute population en cache-nez. Ils ont déjà distribué, nous déjà distribué plus que 1 500 000 cache-nez. Nous avons demandé des gens qui recevront cache-nez pour y mettre et pour y mettre bien. Donc continuez s'il vous plaît avec augmentation cas yo. Nous gagnons pile cas à transmission locale kounya. Donc maintenant des populations pour continuer suivre mesures d'hygiène. Ministre n'a pas parlé nous de quantité que nous recevons aujourd'hui hein? Mais faut nous connaître que c'est pas toute. Quantité ça yo, c'est sous un volume que nous t'ai commandé et pendant jour qu'a venir nous gagnons reste que n'a recevoir toujours. Recevoir équipement c'est une fait arriver, jouer une population pour le bail service là son lot. C'est des équipements et des matériels que nous recevons qui ne peuvent pas rester dans nos dépôts, mais qui peuvent distribuer à travers les 10 départements sanitaires du pays pour être capable de servir la population en besoin. Mais tout équipement ça, il peut servir pour faire la prise en charge institutionnelle. Or, je dis, selon la phase nous vivons dans l'épidémie, nous avons une prise en charge communautaire qui peut faire. Et c'est en dedans communauté qui était plus gros travail. Là. Travail pour empêcher maladie de passer de un monde à un autre. Ça n'est pas propagation ou transmission communautaire. Là. Et des mesures que vous mettez cache-nez, ça n'est pas masques obligatoires. Non seulement pour vous-même, mais pour les gens qui sont côté là. Parce que j'ai toujours dit, le virus n'a pas de pied, il n'a pas de zèle. C'est prendre ou le prendre, ou bien c'est poté ou poté le bas.
Donc, si on empêche de prendre, si l'autre monde empêche de porter le barou, nous sommes capables de gagner une victoire, c'est-à-dire faire que le virus n'a pas fait trop de dégâts dans la population. Gagner un pile parole qui a fait sur les gens qui ont mouru, par exemple. Donc, nous connaissons que dans tout pays côté maladie en passé, il y a une quantité de gens qui mourent. Malheureusement, dans le pays PAN, nous avons tendance à voir que nous avons trop de gens qui mourent par rapport à la quantité de gens que nous avons qui testaient positif. Mais ça a tout une explication. Tout le monde qui mourit, il a découvert que les gens ont eu de l'autre maladie en bas. Et c'est là qu'ils prennent le virus là, sous l'autre maladie, ça, sous l'autre maladie ça, que le virus là lui-même lui causait des dégâts qui sont graves pour les gens. Donc, longtemps, au début de la maladie, on a dit que c'est les gens qui sont grands à partir d'un certain âge. Mais malheureusement, avec l'évolution, on a constaté que il y a des jeunes gens et même des petits gens que les maladies arrivent sur eux, ils font des dégâts et que eux-mêmes sont capables. Donc, les petits gens sont des gens qui méritent protection. Protection non seulement de famille, protection de société. Donc, le plus souvent, les petits gens, ce n'est pas eux-mêmes qui ont infecté la tête. Donc, ce sont des grands gens, ce sont des adultes. Donc, si tout grand monde nous prend responsabilité, nous fait ça pour nous faire, donc ça permet que nous protéger petit monde, grand monde, toute qualité monde, etc. Donc, encore une fois, le rôle de la presse est très important dans aider nous gourmets contre stigmatisation, parce que en pile fois bagaille passe mal, c'est parce que moun yo peur, c'est parce que moun yo pas comprendre ça qui a passé. Un monde qui est infecté, qui est positif à coronavirus là, c'est pas un monde qui est condamné, c'est pas un pestiféré. C'est un monde qui a besoin d'assistance tout le monde, c'est un monde qui a besoin de compassion, qui a besoin d'aide tout le monde. Au lieu de nous courir derrière les gens pour nous déchouquer, pour nous écraser, leur nous connaître au positif, au contraire, plutôt nous aider le système, chercher contact avec les gens pour nous tester au plutôt. Parce que le problème qui gagne, lorsqu'il y a un monde positif, oui, le monde est positif, mais tout le monde qui est en contact avec les gens, il faut être capable de retracer pour mettre en quarantaine tout pour être pas gagné dans tout cas bien positif. C'est la seule façon de nous arriver, si nous construisons en tout cas limiter les dégâts que la maladie est capable de faire, c'est aller chercher tout le monde qui éventuellement est en contact avec un monde qui est positif, ou mettre en quarantaine, le moment arrivé ou tester, et si vous même positif, tout, ou mettre en isolement. Tout ça, c'est un travail qui est facile et nous connaissons déjà que le système santé, il y a des faiblesses. Il ne peut pas permettre que nous sauver tout le monde qui arrive là-dedans avec maladie. Mais si nous faisons travail à un niveau communautaire, c'est-à-dire nous empêcher que nous attrapions le virus, là, donc nous pas empêcher que nous vienne malade grave, nous pas empêcher que nous arrive dans l'hôpital, nous pas empêcher que un pile dans le monde au monde. Donc, concours tout le monde, le nécessaire qu'on y a là, la presse en particulier, parce que quel que soit côté dans le pays, il y a autant de radio, un pile de monde regarde la télévision, un pile de monde aller sur les réseaux sociaux, un pile de monde les journaux. Donc, le combat n'a pas mené son combat national. Ce n'est pas un combat ministère de la Santé publique, c'est pas un combat gouvernement, son combat pays. Et ma prêté souffre ça, son combat pays. C'est tout pays a qui pour mettre force ensemble pour gommer contre la propagation du coronavirus. Malheureusement, ou pour que j'aime une garantie que vous recevez un matériel de qualité tout autant pas recevoir le tester. Parce que faut qu'on connaisse tout dans quelles conditions que vous commandez matériel. Nous commandons dans un pays qui est loin, on a parlé de la Chine, et c'est là que tout le monde a commandé. Donc en général, l'on commandé, ou pas forcément un monde sous place qui a vérifié pour. Donc obligé faire fournisseur à confiance, obligé à regarder tout expérience fournisseur dans vendre à l'étranger, dans vendre avec l'autre monde. Mais dans le cas PAN, nous capables de recevoir un message de fournisseurs, en tout cas de gens qui ont servi d'intermédiaire pour nous, qui fait nous comprendre que le fait que le matériel nous ait pris un petit temps pour nous même confectionner, nous avons confectionné avec les meilleurs matériaux qui existaient pour le moment pendant la fête. Et c'est pour ça que nous avons ouvert un échantillon d'équipement de protection, nous avons tiré sous lui pour moi qui forme des résistances là bien. Ensuite, pas oublier tout.
équipement ça c'est un équipement de protection, c'est pas bagaille pour mon algoumer avec. Et dans premier quantité que nous te gagné, nous te remarqué que était très petit. Par exemple, mon qui gagne gabarit que me gagne, yo ton petit gens serré sur mon nan, là mon nan fait mouvement, lui même il te conchirer. Et après dans cas ça, nous prendre le soin pour nous demander qui pilage. Parce que plutôt un équipement de protection plus gros pour un monde. Il est capable de marrer, il est capable de faire n'importe qui ça avec lui, au lieu qu'il est trop petit, qu'il gêne là-dedans, il n'y a pas de marcher. Pour cet appel 2021, je déplore même avec vous que deux groupes de monde, qui, quelle que soit la raison que vous avez gagné, pour faire une revendication, et que c'est un élément ça que vous avez touché. Ça montre encore le niveau de conscientisation qui peut arriver, non seulement dans la population, mais même côté certains employés. Nous ne disons pas dit que vous n'avez pas de raison pour faire mouvement, etc. Mais quelle que soit la raison que vous faites mouvement, vous êtes supposé qu'on ait importance sur ce là. Parce que l'appel 2020, le centre d'appel 2020, il est pour la population et vous même tout dans la population. Donc ça n'est pas capable que c'est un membre de la famille ou bien un monde dans ou bien dans quartier qui a besoin de 2020. Donc mais malheureusement, il y a des gens qui ont revendiqué certaines choses, ils n'ont pas tenu compte d'autres choses. Et c'est une situation que nous déplorons. Mais heureusement, le calme est en train de revenir, pour ne pas dire que le calme n'est pas revenu. Donc là, nous sortons dans le ministère, là, on a essayé de remettre tout le bagaille en place. Ça montre nous tout, il y a un grand bagaille. Peut-être que nous ne supposons pas un seul point. Donc ça montre que peut-être que nous supposons délocaliser le centre d'appel. Pour si il y a une qui prend une raison quelconque pas qu'à fonctionner, il y a l'autre qui prend le relais. Et je voulais ajouter que pendant ce temps, ça. Que nous dit que cette plante est fermée, nous avons fait effort quand même avec les compagnies pour nous être capables de continuer à recevoir appel. Là, nous prenons le micro de la presse pour nous capables d'informer la population de l'ensemble d'activités que nous menons à travers le champ d'action. Et ça crée que c'est une association qui travaille dans la santé, qui travaille dans l'éducation, qui travaille dans l'environnement, qui touche tout l'agriculture. Nous venons pas devant la presse pour nous dire que nous avons un cri d'alarme que nous voulons lancer aujourd'hui. Donc, là, on a placé sous Parc La Visite. Parc La Visite, c'est un site, c'est un espace côté qui dans le département sud-est, dans la commune Marugo. Si on a pris plus loin, on a dit que dans la section communale Fonjean-Noël, dans la zone qui est le grand quartier Ségué. C'est un espace qui a une verdure assez intéressante. C'est un espace qui a une faune et flore assez intéressante là-dedans. Il est sous 30 km² et il a depuis sous temps la colonie côté français a été planté en pile pain dans la zone ça dans l'idée pour être capable de conserver capable dit espace là conserver beauté espace là et conserver aussi de l'eau qui compte déverser sous département sud-est et département l'ouest. Nous dit c'est un parc national la visite à partir de 83 de un décret capable de dire et gouvernement Jacques Duvalier a été pris pour te décréter parc là c'est parc national la visite. Il y a une réserve de Penadani qui à en hauteur de 1900 mètres d'altitude et nous gagnons ravine la Dani, il gagne la Dani tout ensemble de cascades qui pourra embellir beauté parc la visite. Et je dis à sacré prend micro la presse pour dire que il y a un gros danger. Il y a un gros danger dans le parc là parce que il y a des gens qui occupent l'espace de manière illégale et des gens qui favorisent la déforestation et le déboisement du parc. Le parc la visite vient tourner une source pour les gens dans la communauté couper les pieds bois, vendre les pieds bois ou bien couper yo à travers des petits morceaux pour les vendre dans la communauté. Parce que pain, ils estiment que pain, c'est un dans le bois, dans l'instrument capable de différents. Donc nous venons gagner une population qui pas gagne assez de ressources économiques pour y vivre. Donc une population côté la faim, la misère, on capable dire à prolonger les conditions de vie. Dans ce sens, ça a transformé par la visite à travers un espace un côté où habiter, deux côté yo capable joindre cob pour faire tout ça qu'on a besoin en couper pied pain pour y vendre. Et nous même sacré qui c'est une organisation qui a travaillé dans la commune Marugo dans le département sud-est. Et nous lançons un cri alarme aujourd'hui à toute autorité compétente qui est en question touriste, qui est en question écotouriste tout dans le pays. Nous lançons un grand cri d'alarme avec le ministère touriste et toute l'autre instance
de concentrer au cap travail dans le domaine ça pour nous dire que pas que la visite d'après une UNESCO lycée biosphère zone la celle là donc c'est un espace tout d'après et autorité qui établit dans le domaine qui dit que pas que la visite c'est lui même qui facilite on a phréatique gagne une réserve aquatique là qui permet que nous alimenter rivière qui déverse sous département l'ouest rivière qui déverse département sud-est dans sens ça non seulement lycée yon réserve aquatique côté qui permet de conserver de l'eau sans eux pour alimenter le département ça yo parce que la visite tout li vin tan un site touristique que nous-mêmes dans commune Marigot nous-mêmes département sud-est nous exploiter pour nous faire touristes vin garder merveille la nature vin garder qui ça que nous gagnons comme potentiel environnemental dans Marigot tout nous gagnons une difficulté que n'a pas rencontré à travers espace de divertissement et n'a pas question littoral là nous connaissons littoral c'est yon question qui sous contre l'état haïtien qui t'a supposé agir sur lui mais qui t'aime dit que jodi à Marigot gagné environ Marigot 4 plages dans 4 plages a gagné un seul qui a fonctionné et la fonctionné tout malement et jeune nous yo pas gagné côté pour divertir yo jeune nous yo pas gagné côté pour aller recréer et dans quelques temps là nous capable dit nous pas rentrer en plein été donc c'est sûr que plage c'est un espace que moun utilise en pile. Les gens ont menacé tout dans la zone parce que sous plage, à cause de fermer, il y a des gens qui font besoin dans le sol. Il y a des gens qui utilisent la plage pour faire l'autre bagaille. Donc je dis, pendant que le coronavirus a fait des dégâts, nous lançons un vibrant appel avec le ministère de la Santé pour capable pencher de concert avec le ministère du Tourisme. Pencher un, sous comment capable relouvrir la plage, ça yo, créer des opportunités pour que les touristes qui viennent Marigot capable visiter Marigot et changer tout la vie Marigot sur le plan économique et environnemental. Nous demandons tout à ce que pour le ministère touriste encadre beaucoup plus la mairie même qui est responsable ou bien capable de dire l'État qui est supposé agir dans la question infrastructure ça qui c'est des espaces côté jeunes Marigot qu'on utilise pour être capable nous même divertir. Nous pas parler nous de sacré intervention sacrée pendant coronavirus là. Pendant coronavirus là sacré te mettre des mises en place côté l'été fait formation avec une équipe de monde qui sorti en dehors côté l'état des fois pas même penser avec yo pour l'été monter à faire des formations pour monde ça yo. Sacré lui même l'été fait une façon pour te réunir tout monde ça yo pour te parler de mode de prévention que yo supposé prendre pendant maladie arrivé. Avant même moun yo ap tande nan radio gen des cas que l'état haïtien était confirmé mais moun yo pa jamais arrivé croire parce que yo te dit pas gen yon maladie vraiment pas gen yon pandémie qui rive à Haïti yo te toujours dit c'est pour l'autre pays ça te rend yo dit lan tout nous pas ka critiquer parce que yo pas formé population pour arriver pandémie ça mais sacré lui même li dépense plus de 2 millions goud pendant li te gen des matériels li t'ap distribuer bay nan tout département yo bay nan l'hôpital yo bay moun la kayo tout nous te gen des cache-nez, nous gen des bokit, nous gen des médicaments, nous gen des sanitizers que nous te utiliser pour nous te bay moun sa yo pour te servir. Et ceci nous te même parlé de prévention qui gens pour protéger tête yo, sacré te accompagner moun sa yo dans tout genre de bagay sa yo. Côté la pandémie vient à ravager Haïti que chaque jour tout a monté, yo mandé pour moun yo rete en quarantaine. Sacré pas traité là seulement pour te dire moun yo rete en quarantaine, mais li te mette yon mise en place que à fond pal jan capable pour te bay moun sa ou des nourriture pendant yo en quarantaine là. Parce que nous pas ka di moun rete en quarantaine seul pas gon moyen pour manger, li pas ka boire et yo gen ti moun sou konti yo. Tout ça sacré te chercher yon façon pour te résoudre tout bagay sa yo. Et jusqu'à maintenant, ça a toujours continué de travailler sur ça. Nous avons des matériels nous sont distribués là dans plusieurs hôpitaux dans le sud-est là. Nous sommes sortis de Marigot à Jacmel, nous passons qui était à Jacmel dans mi-temps et tout côté ça où là nous entrer nous distribuer des médicaments. Et dans l'hôpital ça où nous joindre l'hôpital qui c'est des cubains qui la donne. Nous joindre l'hôpital c'est haïtien qui a fonctionné là-dedans mais nous mettons en disposition pour chaque hôpital ça yo gain des équipements dans mais là nous n'a venir pour pas dire y a courir mais pour y gain moyen pour protéger tête yo. Ça ça crée demandé ministère santé pour lui toujours vigilant sur caillou. Pour yo toujours aider moun yo nan moyen yo capable nan tout ça yo capable pour yo aider yo continuer avec prévention là malgré ka yo ap monter pour nous toujours continuer parler moun yo de prévention et quarantaine nan garder comment yo ka aider moun yo gérer quarantaine nan qui ont phase qui un peu dur pour moun nan même penser li ka possible tout bagay ka possible depuis
gen volonté pour essayer aider yo et puis tout ça créer un plan en collaboration avec tout le monde qui voulait pour nous continuer porter tout bon genre information que nous capoter pour yo. Je pense que c'était tout ça nous te gen comme résumé malgré me connait radio attendez parler de coronavirus là déjà nous te défini mais je dis ali pas tellement important pour nous pour te défini maladie hein? Mais nous plus parler de ça nous fait pendant dernier mois ça là. OK. Pour clinique qui t'a marché c'est gain pour clinique qui t'a marché c'est gain li camper mais ça pas venir un problème parce que ministère santé gain des numéros yo meté immédiatement moun nan wè li senti gain yo nan symptôme yo signe yo présenté la kayo y a juste relé nan numéro ça yo pour sud-est gain quelques petits centres santé passé Marigo n'a pas jeune santé passé Peredo n'a pas jeune santé et moun k'ap sorti en laisser gen yo y a bien chance pour yo passer nan yon nan l'hôpital sa yo que yo pap kembe yo vraiment si yo wè yo gen tout symptôme yo y a voye yo nan l'hôpital ki c'est l'hôpital de référence lan ki c'est Saint-Michel immédiatement yo rive Saint-Michel a évalué patient à l'aide de symptômes et signe que patient présenté ya. Mais Saint-Michel non plus pa gen test pour le faire pour moun nan pour voir est-ce que moun sa positif ou non et ou pas arrêter pour dire yon moun ki tel maladie sont pas testés test la même lor jeune à 95% tout symptôme yo présent tout signe là ou supposé tester moun sa d'abord pour dire oui moun sa répond à tel cas et me penser le jeune yo c'est Michel yo voye au Port-au-Prince et puis tout l'autre suivi au fait là et partenariat Fondation Rosé Blanc avec la Croix-Rouge me dit renouveler parce que nous travaillons déjà dans le passé avec la Croix-Rouge pour nous combattre et pour nous éviter la propagation du COVID-19. Est-ce que nous t'entendons bien? Ok. Donc, et Fondation Rosé Blanc et la Croix-Rouge mettez au coude à coude pour travailler ensemble pour éviter la propagation du COVID-19. Qui ça qui est COVID-19 ou bien coronavirus? C'est un virus qui existe pour y en tout côté dans le monde qui est propagé avec postillon et avec sécrétion postillon qui sont en bouche et sécrétion qui sont en nerf. Donc, il est important, par exemple, pour nous mettre masque, je n'ai pas aujourd'hui, mais ce n'est pas mettre masque à 3-4, ça veut dire que nous couvrir les nous, couvrir les bouches, nous camerons les figures, nous laver les nous, etc. Et partenariat, ça important, spécialement dans le mois, ça, qui sont moi, que nous mettons en honneur, toute volonté. C'est le mois de la Croix-Rouge et de la croix, et du poisson rouge, qui mettent en honneur toute volonté de la Croix-Rouge. Donc, et je tiens nous gain avec nous aux environ de 3000 kits que nous travaillons de Fondation Rosé Blanc à la Croix-Rouge. Chiffre exact, on a besoin de ce que nous avons reçu là et le press release de la Fondation Rosé Blanc. Donc, ça nous permet aujourd'hui un kit ça y est, les volontaires de la Croix-Rouge à recevoir pour continuer à faire travail dans 116 comités locaux que la Croix-Rouge a été présente. Donc, dans le comité, ça va protéger la tête avec le masque que nous gagnons, notre kit, avec le hand sanitizer que nous gagnons, nous avons des instructions pour mettre le masque, nous avons des savons, papier hygiénique, brosses à dents, et volontaires, ça va être utilisé pour protéger pendant que nous faisons travail et sensibilisation contre la propagation de la Croix-Rouge. Et ça est important pour nous parce que pour le moment, que quand on a un médicament ou un bagage qui combat le COVID-19, c'est l'attitude nous, c'est ça n'a fait, c'est la façon de vivre nous qui peut changer pour nous éviter la propagation de la maladie. Ça veut dire que c'est mettre le masque, laver les mains, qu'il y ait une distance que même j'en ai fait là-bas, 1,50 m. Et donc, c'est pour nous faire sensibilisation, pour nous apprendre tout le monde dans toute province qui gens pour éviter. Ni partager maladie, propager et contaminer l'autre. Donc, pour nous, et collaboration ça, que la Fondation Rosé Blanc mette le coude à coude avec la Croix-Rouge, c'est vraiment important parce que l'Ibral font un gros impact et une grosse différence dans toute commune que la Croix-Rouge présente et que la Fondation Rosé Blanc, en tout cas, ça va support pour aider et pour. Si vous avez des questions, vous avez des nous. Mon ami, pratiquement, on a dit que c'est l'essentiel, puisque un objectif présence nous, c'est pour nous arriver à la Croix-Rouge et on demande des kits que nous allons mettre à disposition volontaire pour la Croix-Rouge, que
c'est celle que nous allons déployer sur tout le département pays. Et actuellement, si nous regardons notre presse que nous publions, après que nous sommes présents à l'ouest, mais c'est graduellement nous avons avancé sur toute région. Et une raison pour ne pas trop déployer l'équipe, c'est parce que justement, nous estimons que le personnel employé et volontaire que nous avons déplacé, il faut que protéger au maximum. C'est une exigence que la fédération a fait tout quoi autre. Et nous-mêmes, nous sommes membres de la fédération, Croix Haïtienne, c'est membre du conseil de direction de la fédération. Les fédérations sont présentes partout, il y a des représentants qui regardent comment on va faire. Et une politique que développer, c'est protéger la sécurité et assurer la protection des volontaires. Donc, si nous ne sommes pas sûrs que ça fait, nous ne sommes pas capables de mettre les volontaires pour mettre vivre à risque. Donc, ça, c'est un premier pas dans la bonne direction. Mais volontaires, nous avons déjà engagé notre campagne de sensibilisation au niveau de l'Ouest. Actuellement, nous sommes très présents à Delma et nous travaillons en partenariat avec les mairies. C'est une stratégie ça que nous développons. Dans la ligne de sensibilisation et de protection, c'est les volontaires de la Croix-Rouge, avec les brigadiers de la protection civile, mais nous appuyons les mairies. Actuellement, nous travaillons avec la mairie d'Elma, et cette semaine, nous allons passer avec nos activités de mobilisation avec la mairie de Pétionville, et graduellement, je crois que la semaine prochaine, nous avons prévu d'engager nos actions sur Croix des Bouquets. Et ça, nous allons faire dans 116 communes où Croix-Rouge est plus que le président. Mais nos volontaires vont beaucoup plus loin. Donc ce ne sont pas uniquement les communes, mais ce sont également des communes beaucoup plus éloignées qui peuvent permettre d'atteindre tout le pays. Pour nous faire action ça, nous faisons appel à plusieurs organisations caritatives, dont la Fondation, et qui te répondent positivement. En général, et à chaque fois que nous avons un problème, nous avons des partenaires privés, des partenaires d'État, de bons samaritains, et ce n'est pas la première fois que la Fondation a répondu, nous profitons de ça. Et si je me bonne mémoire, le premier bal que nous faisons pour le service ambulancier, c'est le bal de levée de fonds qui a été fait pour nous à Taraz. C'était, si je me bonne mémoire, en 1995. Maintenant, après, en 2008, quand les quatre cyclones, si nous songeons bien, Faye, Gustave, Anna, avec les frères Haïti, la Fondation a encore été rapidement répondre. Elle a été support, elle va nous permettre de déployer nous. Et quand il y a eu la catastrophe, quand l'école s'est effondrée, qu'il y a eu beaucoup de victimes. Donc, plusieurs fois, quand on a des difficultés, on fait appel aux organisations caritatives, aux fondations. La dernière fois, quand il y a eu Mathieu qui a frappé Bord de Paix, il y a eu les Corétiens qui devaient un gros support, la fondation du Dr Boulos qui est supportée également. Donc il y a toujours des Haïtiens vraiment de bons samaritains qui nous aident. Mais a priori, la plus grande source de support nous, c'est la fédération. Et comme on dit tout à l'heure, la fédération, elle fait que ce fête est 101e anniversaire. Et le, ça c'était mardi encore, il vient de fêter 157 ans de mouvement qui vient. 157 ans, c'est chaque jour qui vient, c'est chaque date anniversaire, nous qui était fondé, Croix-Rouge, en rue du Nord, que nous fêtons fête ça. Et donc l'autre, je sais pas, tout fait ça, il était fêté dans le monde. Et la fédération font appel à l'échelle mondiale. Actuellement, ils font appel, ils ont soulevé à peu près 850 millions de dollars. Mais pas bien, Croix-Rouge, son petit calme en bas, c'est tout. Toute la planète qui a aidé. Il y a de grosses opérations menées aux États-Unis qui ont pile victime. Canada, l'Italie, l'Espagne, il y a de grosses opérations qui ont mené là. Et on parle avec le président de la fédération il y a peut-être deux semaines. Il confirme nous que le levée de fonds est presque complet. Mais par contre, le levée de fonds qui est janvier, il y a fait pour nous campagne ça à l'échelle mondiale. Mais bon, parti là-dedans, il faut qu'on fasse la caille. Il faut heureusement qu'il y ait des gens qui aident nous. Et nous pouvons marcher, nous pouvons aider notre fondation. Après, par exemple, quand il y a eu le problème de Dorian, qui n'est pas haïtien qui était victime de la mafia, nous avons fait appel aux banques et aux banques nationales qui supportent nous. Donc c'est ainsi. Donc bon parti dans le levée de fonds pour faire la CAILO. Donc c'est une action qui a fait là. Je n'ai pas encore la valeur monétaire de ce que ça coûte. Je demanderai à la Fondation de mettre un chiffre pour moi sur tout ce qui est donné. Et je vous assure que ça, nous allons lister, nous allons distribuer les volontaires. Mais cette stratégie qu'on a adoptée, on va prendre, il y aura une, comme on le fait par exemple dans chaque commune, il y aura une équipe de 20 volontaires. Qui parle déployer ici ou parle de sensibilisation. Ça, c'est pour la ligne d'action sensibilisation. Mais nous avons des actions directes que nous allons faire. Actuellement, on voit que devant de nous entrer, nous avons un modèle de château d'eau et nous avons déjà déposé 6 à Delma. Et très bientôt, nous allons passer avec UNICEF, avec UNICEF, nous allons entrer Cité Soleil, nous allons entrer dans d'autres municipalités, nous allons aider. C'est au point indiqué nous qui côté pour nous mettre. Et nous comptons faire ça à l'échelle du pays, là où les mairies souhaitent notre support. Et bien entendu, avec le concours de la protection civile. Ça, c'est la deuxième action, c'est le volet eau et assainissement. En plus de ça, Croix-Rouge, il y a des techniciens spécialisés en désinfection. Et avec support financier que la Fédération Bano,
automatiquement l'équipe ça préparé ou des matériel des y aller désinfecter côté qui est censé contaminer et même si on soupçon de contamination dès qu'on nous appelle ou dès que la mairie nous appelle nous dispatchons ces équipes. Par exemple hier ou vendredi ou samedi nous étions au commissariat de Delma et nous allons continuer avec tous les endroits et les bâtiments publics qui souhaitaient support à la Croix-Rouge des programmes de désinfection et son bagage que nous faisons de façon très méticuleuse avec les techniciens de la Croix-Rouge. Troisième volet de support que nous avons mis, qui n'a plein d'action nous, que nous avons mis pour la population. J'ai remarqué que nous devons avoir des ambulances spécialisées et j'ai fait la requête avec la fédération et très bientôt j'ai deux ambulances spécialisées, mais j'ai demandé quatre à la fédération, mais il y a deux ambulances spécialisées avec housse à pression négative qui va entrer. Ça nous permettra sans crainte de transporter des personnes soit soupçonnées ou soit atteintes de COVID. Donc nous n'avons aucun problème sur demande du ministère de la Santé ou sur demande de ces personnes ou de leurs médecins de pouvoir les transférer d'un point A vers un point hospitalier B. Quatrième volet de support là, si on volait maintenant tous ceux qui sont frappés par ce mal, si on volait d'appui psychosocial, et là nous avons des psychologues et des psychiatres que nous permettons un programme d'appui psychosocial à distance et qui sera conduite par une de nos consultantes en psychiatre, c'est le docteur Adrien qui va l'aider nous. Donc ce programme va être monté très bientôt. Donc voilà en gros le programme de support que la Croix-Rouge comptait faire et comptait développer. Pendant tout le temps que le COVID menace le pays, mais tout autant nous allons développer le programme ça pour nous aider les pays, appuyer plan l'État, appuyer plan le ministère de la Santé pour assurer nous que toute action que nous avons fait, c'est des actions positives qui vont permettre de mettre en échec le COVID, si le COVID entend, si l'entrée, si l'entrée de l'école dans le pays, nous croyons que nous allons sensibiliser la population. Et femmes disent, entre autres, c'est bien en pile notre Croix-Rouge qui est de nous. La Croix-Rouge américaine, bah, nous supportons, nous disons faible, mais ça va venir. Nous savons qu'il y a d'autres supports qui vont arriver, ils vont nous permettre de couvrir le Nord-Ouest et les Caraïbes. La Suisse, bah, nous supportons tout, la Croix-Rouge suisse, pas la Suisse, hein, la Croix-Rouge suisse, bah, nous supportons tout. Et semaine dernière, là, monsieur Valet, président de la Croix-Rouge chinoise, hein, qui, par volonté, on peut citer près de 550 000 masques. Des masques chirurgicaux, on va être présenté là, mais également des masques de N95 et de FF92 comme pour ça dans Mangela. C'est des masques beaucoup plus précis, beaucoup plus spécialisés, surtout le personnel hospitalier que nous allons distribuer. Également, le président de la Croix chinoise va nous envoyer des vêtements de protection et nous allons envoyer des ventilateurs. Aussitôt que vous recevrez un ventilateur, ça, ce sera le ministère de la Santé qui sera bénéficiaire de la couverture des hôpitaux qui en ont besoin du ministère de la Santé. Et c'était hier encore que je recevais une lettre du président du Poisson Rouge Turc, mon collègue de la fédération, parce que nous sommes membres de conseil de direction, nous sommes vice-président, moi aussi membre. Donc, il vient de mettre 50 000 masques à disposition de la Croix-Rouge haïtienne. Ces masques vont arriver jour comme ça, laisse la Turquie. Aujourd'hui, ça va passer par la Dominicanie et de là, il y a donc c'est 50 000 masques chirurgicaux, des vêtements de protection pour les ambulanciers, pour le personnel hospitalier, des couvre-chaussures et pas mal d'autres choses, des gants de divers types, pour aider un les techniciens, d'autres les personnes le personnel médical qui est affecté. Donc voilà en gros si je résume, donc il y a le Poisson Rouge Turc qui nous donne, qui a confirmé cet avis. Je remercie à son le président, la Croix-Rouge chinoise avec qui nous avons de très bons rapports, qui va supporter nous tous. Et c'est déjà confirmé, la Croix-Rouge américaine qui a confirmé son support, la Croix-Rouge espagnole qui vient de supporter pour le sud-est, ainsi que la Croix-Rouge néerlandaise. Voilà en gros les supports du mouvement que nous recevons et ajouté à ce que la fondation vient de nous donner. Donc nous pensons que ça va permettre déjà vraiment supporter. Donc mes deux mots, merci et très spécial merci à toute votre fondation, non seulement pour supporter et habituer à nous, et support pour continuer à nous. Merci. Je voulais ajouter avant d'aller que nous recevons des kits et aussi pour même pour volontaires qui ont recevé des kits que nous avons des masques là-dedans. Avant de nous servir avec masques, s'il vous plaît, lavez masques avant que nous utilisions et aussi. Et aussi, dans chaque paquet de masques, il y a une instruction qui m'a dirigé pour nous mettre des masques. Comme vous l'avez dit déjà, c'est pour les mains, pour les bouches. Mais plus précisément avant de l'utiliser.